Hey, connard, qu'est-ce que tu dis? Ouais, tu fais quoi? C'est la merde, ton truc. Oh. Non, vas-y, on se casse. Frappe-le. Bonbon. Et oh, ça date de genre l'Halloween l'année passée, mange pas ça. Bah ouais, et alors? Il a l'air bon? Mm-mm. Mais oui. C'est dégueulasse. Non, 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 c'est bon. Tu vas voir? Pas avant de te brosser les dents. Ah. Bon, viens, on va être en retard à la retenue, là. Eh, tu penses? C'est sûr. Ah, Bianca! Oh my gosh, en fait, c'est tellement cool que tu sois là avec mon retenue. Ben, c'est peut-être cool pour toi, mais moi, je suis en train de rater une conférence sur la déforestation. Do whatever, je trouve ça juste tellement le fun qu'on passe enfin une distance ensemble. Pourquoi t'es là? Ça fait trois fois fait qu'elle est retenue. Elle est ma belle, ma blonde, hein? Tu vas changer le monde, babe. Ouais, une chaussette à la fois. Laisse faire, Billy, tu comprends rien. Il faut ici l'autre nerd là. Toi, pourquoi t'es là? Ah, elle? Toujours la même chose. Il me connaît tellement bien. C'est parce qu'en fait, mon bus passe à chaque 30 minutes, puis je préfère arriver 15 minutes en retard que 15 minutes à l'avance. Logique. Toi, pourquoi t'es là? Ah, moi? Je sais plus trop. Je voulais passer du temps avec toi, babe. Oh. Ok. Bon. Chut. Silence. Pour votre retenue, vous savez ce que vous avez à faire, ce que vous êtes supposé, vous avez des devoirs, vous avez des travaux. Je veux le silence. Moi, oh, je suis en train d'écouter quelque chose. Je veux pas être dérangé. OK? 1, 2, 3, 4. Vous êtes supposé être 5. C'est qui manque? Je suis là! Je suis là. Non. Je te jure, les textes toute la nuit. Là, ça se peut même qu'il y aille au resto. Eh hey, ben, de quoi vous parlez? Ben, tu as vraiment aimé ça, ok? Ah. Tiffany, là, dans la ouais. Saison 11, il paraît qu'elle vole le chum de sa meilleure amie. Hein? Ouais. No ouais. Way. Uh-huh. Ouais, Adam, on n'avait pas parlé, et gère. Ouais. Ouais, ça ressemble à ce qui se passe en ce moment. Qui t'a parlé, Fred? Mets-toi tes affaires. Ouais, t'y a pas foutu la merde. Ben, moi, je dis juste la vérité. De quoi tu parles? Ah, je veux savoir. Hey, silence! Est-ce que tu as fait le numéro 5? Ouais. Je comprends pas ça. Ouais, tout est mauvais. Je me demandais de qui tu parlais tantôt. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, c'est bon, je suis pas débile, mais je m'en fous. T'es sûre? Je pensais que ma petite Charlotte était follement amoureuse de lui. Oui, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça. Oh my god, oui, c'est ça. T'es tellement bon, j'ai où en fait? Je sais. Ok, bon. Ouais, c'est... Ah, qui est bon. Ouais. Ah!
Tu vas où, Charlotte? Lâche-moi, je vais aux toilettes. Ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? Oh my god, t'es tellement bon en géo! Il a appris le nom d'une chaîne de montagnes, c'est pas un génie, c'est toi qui es une... Ben là! Est-ce que je parle aux toilettes? Est-ce que je parle aux toilettes? Ok, je vais aux toilettes. Hey! Tu vas où? Elle va où, elle? Aux toilettes! Aux toilettes! Aux toilettes. Wow, wow, wow! C'est une à la fois. Tu restes ici. Attends, Guatemala, c'est la capitale du Guatemala. Ils pouvaient pas faire ça plus mélangeant. Ben, c'est comme ici, nous, la capitale du Québec, c'est Québec. Ah ouais, j'avoue. Je suis pas si comme ça, hein? Enfin, elle en met du temps, non? Charlotte? Ben ouais. Non, elle est probablement aux toilettes en train de se mettre aussi belle que moi. Enfin, je suis inquiet quand même. Mais non. Bon, Noah, tu sais enfin quelque chose d'intelligent. Quelque chose d'utile. Pourquoi tu parles, toi? Ben, ça se voit pas qu'elle t'utilise seulement pour être populaire. Mais quand on sait pas de quoi on parle, on se la ferme, en général, ok? T'es encore plus stupide que je pensais. C'est toi? Ça va? Oui. Mets-toi dans tes affaires. J'avoue. Ok, ok, je pars aux toilettes. C'est ça, là. Ça va et toi? J'en peux tellement plus d'elle, je comprends même pas pourquoi on est encore amis. Elle cherche tellement l'attention, j'en peux plus. Pourquoi elle dit des trucs comme ça? Genre, vraiment, honnêtement, plus d'elle. Elle t'a toujours pas répondu? Non, mais tu sais quoi? On finit le travail, puis après ça, tu peux venir avec toi et on va la chercher. Ouh, ça y est, il fallait juste laisser tranquille, puis ça se minouche. Ta gueule! Je suis plus capable! T'inquiète pas, Vi, je suis là pour toi. Vraiment, Fred, j'ai pas besoin de ton aide. Tu crois, Noah aurait plein les yeux pour toi? Pourquoi tu dis ça? Ben, t'en as pas tanné de toujours supporter les caprices d'un petit enfant gâté? T'exagères, je trouve. Ben, tu tripais sur Noah depuis le début du secondaire, puis Charlotte, elle te l'a enlevé. De beaux imbéciles heureux, tout le monde sait que vous serez parfait l'un pour l'autre. Tu penses vraiment que moi et Noah, on est deux imbéciles heureux qui devraient faire un couple? Ben ouais, carrément. Ben d'ailleurs, il est où là? Il doit tellement être triste, il peut tellement être sensible des fois. Tu devrais aller le réconforter, et il faut que tu dises ta façon de penser à Charlotte. Mais c'est quoi ma façon de penser? Que tu la veux plus dans ta vie et que t'es full amoureuse de Noir. Ouais. Non, t'as raison. Des fois, tu dis vraiment de la merde, mais là, je pense que t'as raison. Ah oui, et si ça fonctionne pas, viens me voir, j'ai un plan B. Charlotte! Charlotte! Réponds! Charlotte! Mais voyons, Noir, qu'est-ce que... Ben, je sais pas, elle répond pas. Tu peux aller voir, s'il te plaît. Je suis un gars, je peux pas... Je vais. Ouais. Son chouchou. Oui, c'est Charlotte. Qu'elle avait en première année quand j'ai rencontré. Elle porte depuis quand je la connais. Hein. C'est sûr qu'il y arrivait quelque chose. Ouais. Ça va. Noah, c'est son petit copain. C'est lui qui l'encourage à se rebeller. Tu voulais pas, genre, voler son chum? Hey, non!